Lorsque vous croisez sur votre route quelqu'un de soucieux, de triste et d'anxieux, que vous vous dites il n'y a pas de doute, c'est quelqu'un sûrement qui a des tourments. Croyez pas ça, c'est faux, mais dites-vous plutôt c'est quelqu'un qui n'a pas pris son piquirage, son apéritif, son dérivatif. C'est quelqu'un qui n'a pas pris son piquirage, son petit piquirage, pas généreux, aucun qui n'a. S'il avait pris, ce serait autre chose, car il verrait sûrement la vie en rose. C'est quelqu'un qui n'a pas pris son piquirage, son petit piquirage, pas généreux, aucun qui n'a. Attention.
tourne pas rond. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. C'est que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi. Conte de fées, sur un coup de baguette magique, tout changea. Ben, je croyais aller à Barbès, je suis à Tombouctou. Je fais encore plus travailler mon imagination. Parce que je voyage, mais là, je voyage doublement. Voyage à l'autre bout de la planète à la fois. Tandis que soldats américains et français se retrouvent dans le même camp, Hitler fête à Munich le soir du 8 novembre l'anniversaire du putsch de 1923 avec ses vieux compagnons. Es war immer schon, seit ich ein Knabe war, damals vielleicht ein Unart, aber im Großen doch vielleicht eine Tugend. Meine Angewohnheit, das letzte Wort zu behalten. Und alle, die wir gehen, können überzeugt sein, dass Deutschland von 1 hat um 11:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. Son principal problème n'est pas la défaite subie par Rommel à El Alamein, ni le débarquement américain qui a eu lieu le matin même. L'essentiel, c'est Stalingrad, la bataille de Stalingrad. Bien sûr, les Russes résistent encore ça et là. Mais la Volga est atteinte, les troupes allemandes sont au cœur du Caucase. Certes, il faudra prévoir un nouvel hiver en Russie, mais cette fois la Wehrmacht est équipée en conséquence. De démocratie, de liberté, de justice,
pays en quelque sorte rajeuni, qui oublie la morosité, qui a confiance en lui-même et qui soit prêt à découvrir son propre bonheur. Bonheur détendu d'un modèle liberté démocratie justice confiance bonheur. Et à la limite tombée, le cri de la couette. Directeur de l'Institut National d'Hygiène Mentale leur a téléphoné pour leur signaler que les rats que l'on suppose nombreux et qui nichent à la ferme pourraient être porteurs d'un germe dangereux.